Yeah! Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Maintenant que toutes les machines sont sous tension, on va pouvoir commencer. Et commencer à quoi faire? À créer une machine virtuelle Windows 11 sous Proxmox. Mais attention, une machine virtuelle Windows 11 sous Proxmox en satisfaisant à toutes les exigences matérielles requises par Windows 11 demandées par Microsoft. Donc, nous n'allons pas utiliser une image ISO skip TPM de Windows 11 pour outrepasser les exigences matérielles requises. Non, nous allons utiliser une image Windows 11 officielle et satisfaire à toutes les exigences matérielles. Donc, UEFI, entre autres, et TPM. La première chose à avoir en termes d'image ISO. Bien entendu, ce sera une image ISO officielle de Windows 11, donc pas une skip TPM, une image ISO officielle. Et alors, important, l'image ISO contenant l'ensemble des pilotes versions. Oui, parce que l'on va utiliser donc la pile de pilotes versions pour faire fonctionner correctement notre système Windows 11 sous Proxmox. Allez, c'est parti. Donc nous allons créer une machine virtuelle ID 114, le nom pour ma part, hein, je vais l'appeler 02-Windows-11-Pro-21H1 suivant. Alors je vais chercher l'image ISO, moi elle se trouve dans local, donc image ISO officielle de Windows 11, OS invité type Windows, dernière version, donc Windows 10, serveur 2016-2019, suivant. Carte graphique, je vais laisser par défaut pour l'instant. J'active l'agent QEMU. BIOS, ce sera type UEFI. Un disque donc de type UEFI est créé. Il faut préciser l'emplacement de stockage. Ce sera local LVM pour ma part. Alors, contrôleur SSI, version SSI, c'est bon. Machine, moi, ce sera Q35. Donc, Q35, machine plus récente. J'ajoute l'émulation de la puce TPM. Pour émuler la puce TPM, un disque est créé. Il faut préciser l'emplacement de stockage. Pour moi, ce sera encore local LVM. Émuler la puce TPM, d'accord. Quelle version? 2.0. Voilà. Suivant. Disque dur, bus device, version bloc. Quel emplacement? Donc, local LVM, hein, pour ma part. La taille, 80 gigas. Alors, cache, oui, j'avais du cache en écriture. Et je vais activer l'option discard, même si, bien souvent, on l'active quand on utilise un bus device de type SSI. Moi, ce sera version bloc. Voilà. Suivant. Socket 1. CPU virtuel 4. Suivant. Mémoire. 4096 mégas. Suivant. Alors, donc là, je suis dans la partie réseau. Modèle paravirtualisé version. Suivant. Je termine. On attend que la machine virtuelle se crée, mais voilà, elle est déjà créée. Alors, je me rends dans matériel. Je vérifie que tout soit bon. Tout est bon. Je vais ajouter un lecteur optique. Ok, bus device IDE. Qui va contenir l'image ISO des pilotes version. Voilà. Alors, je vais me faire plaisir. Tiens, je vais ajouter un périphérique audio. Intel HDA. Voilà. Audio que l'on obtiendra avec l'affichage distance Spice. Ok, j'ajoute. Alors, je me rends dans les options. Je vérifie que l'agent QEMU est bien activé. Regardez, je vais me faire plaisir. Je vais activer le partage de répertoire. Ok, qui fonctionne au travers encore de l'affichage distance Spice. Ok. Ah, il y a seulement root qui peut activer ça. Ah oui, je suis connecté en utilisateur, on va dire simple. Eh bien, je me déconnecte. Voilà, on va se connecter en route alors. Au moins, on fait pas trop de bêtises. Voilà, login. Ok, option, donc amélioration Spice, partage de fichiers. Ok, génial. Je vais travailler pour commencer avec l'affichage par défaut et plus tard, je basculerai donc sur l'affichage Spice. Ok, et à partir de là, on peut démarrer console
en console 27. On appuie sur une touche. Et c'est parti. Ce que je vais faire, je vais basculer peut-être pour vous, hein, ce sera plus agréable, sur résumé. Je reviens là. Voilà. On peut peut-être faire ça. Ok. Alors, moi, ce sera Belgique. Suivant. Installer maintenant. Je n'ai pas de clé de produit. Et ça a l'air de fonctionner. Windows 11 professionnel. Suivant. Voilà, j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Et attention. Oh, sacrilège. La détection de disque ne se fait pas. Et bien, c'est là que l'on va charger un pilote, ou plutôt deux pilotes. Le premier pilote, regardez, on utilise donc le lecteur optique dans lequel on a inséré l'image 6 en version. On va installer le premier pilote. Regardez. Donc, AMD64. Windows 10, ok, quel est-il? C'est VirStore, donc pour la détection des périphériques de stockage. Voyez, Red Hat version SCSI Controller. C'est bon, mais attendez, on va installer un deuxième pilote qui est NetKVM pour Windows 10, architecture 64. Voilà, NetKVM. Ok, donc Red Hat version Internet Adaptateur. Adapteur. Suivant. Voilà, et à partir de là, on peut faire suivant et lancer l'installation de Windows. Donc, on patiente. Alors ici, petite astuce bien connue, il me demande de créer un compte, de me connecter à mon compte en ligne ou d'en créer un. On va se rendre dans matériel, carte réseau, on la déconnecte, on revient sur l'installateur de Windows 11, on dit qu'on veut créer un compte, mais vu que l'adaptateur réseau est déconnecté, ok, il va nous permettre de créer un compte, mais local. Je ne mets pas de mot de passe, c'est pour la vidéo. Et ensuite, je peux reconnecter l'adaptateur réseau. Et on continue. Oh yeah! Ben voilà. Alors, ce que l'on va faire, regardez, si je fais clic droit, gestionnaire de périphériques. Et oui, il manque des choses, donc c'est là que l'on va poursuivre l'installation des pilotes versions. On en a déjà installé deux. On va installer le reste. Donc, version WinGTX64, architecture 64. Hein. Voilà. Suivant. J'accepte. Suivant. Suivant. Installe, oui. Ensuite, on va installer donc l'agent QEMU et l'agent Spice qui se trouve un peu plus bas. Ici, vous voyez, Guest Tools. J'accepte, j'installe, oui. Je ferme. Rappelle de nouveau le gestionnaire de périphériques. Et normalement, on est bon. Je peux même appeler le gestionnaire des tâches. Que voici. Performance. Je veux une vue logique des processeurs. Et je veux voir le temps du noyau. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que l'on fait. On éteint la machine virtuelle.
pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a mis en place, donc des pilotes Virsio, Spice, Camus, il faut utiliser. Donc il faut basculer sur l'afficheur distant Spice, ce qui va nous permettre quoi ? De bénéficier d'un redimensionnement en mode fenêtré. Ok, on va pouvoir bénéficier du son et on va pouvoir bénéficier du partage de répertoire. Donc, option dans matériel, affichage, on passe sur Spice. Ok, alors on pourrait supprimer les deux lecteurs optiques, hein. D'ailleurs on en a plus besoin. Je vais faire supprimer, oui, supprimer, oui. Alors je vérifie, je pense que tout le reste est bon. Oui, je vais même mettre sur résumé, parce que vous allez voir, grâce à tout ce que l'on a fait, on va obtenir donc des infos notamment concernant les IP. Ok, donc je démarre. Si je clique sur console, ok, voilà. Là c'est Remote Viewer, c'est Spice Viewer en fait. Nous avons rencontré un problème. Ça, c'est parce que j'ai supprimé les deux lecteurs optiques. On va voir si il va redémarrer une seconde fois et que les erreurs vont être résolues. Oui. Regardez, agent invité n'est pas exécuté, mais vous allez voir que il va l'être. Voilà, il y est. Et j'ai du son. Léger, parce que le volume n'est pas fort, mais j'ai du son. Et voilà, regardez, le son est bien là. C'est nickel. Affichage, plein écran. Voilà, on peut travailler avec Windows 11 officiel en satisfaisant à toutes les exigences matérielles requises. Donc gestionnaire de périphériques, on est bon. D'ailleurs, on peut voir, hein, regardez, carte graphique, Red Hat QXL Controller, réseau, on peut voir, hein, Red Hat Virsio Ethernet Adapter. Et si je vais dans regarder, périphérique de sécurité, module de plateforme sécurisée 2.0, donc c'est la puce TPM. Si je vais dans gestionnaire, donc gestion des disques, on peut voir qu'on a bien réalisé une installation de type EFI. Normalement, ah voilà, fin partition du système EFI. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bye bye, à une prochaine. Allez, ciao ciao.